Les médecins ne vous diront jamais ceci, voici comment guérir votre glande thyroïde grâce à ceci. La glande thyroïde est un petit organe sous forme de papillon qui se trouve à la base du cou, contre le larynx et devant la trachée. Son rôle principal dans le corps est de produire les hormones thyroïdiennes, la triiodothyronie, T3, et la thyroxine, T4, chargées de réguler le fonctionnement de l'ensemble des organes. Cependant, il arrive parfois que des troubles viennent perturber son fonctionnement. Dans cet article, vous retrouverez une recette naturelle à base de deux ingrédients seulement qui vous aidera à la réguler et à rétablir son équilibre. Les troubles de la thyroïde. Pour simplifier, nous pouvons dire que la glande thyroïde fonctionne sous l'influence de l'hormone TSH, sécrétée par l'hypophyse, afin de produire à son tour une quantité déterminée d'hormones thyroïdiennes qui régulent le métabolisme, contrôle le rythme de fonctionnement de différents organes, assure le bon développement du foetus et la bonne croissance des enfants. Quand la thyroïde est perturbée, elle ne prend plus en compte le message envoyé par l'hypophyse, ce qui se traduit donc par une sécrétion insuffisante de ces hormones, hypothyroïdie, ou au contraire, une production excessive de celles-ci, hyperthyroïdie. Les symptômes de l'hypothyroïdie. Gonflement à la base du cou, fatigue, flux menstruel réduit avec cycle irrégulier, dépression, crampes musculaires, gain de poids, constipation, ongles friables, sécheresse cutanée et capillaire, des trous de mémoire, métabolisme lent, ralentissement du rythme cardiaque. Les symptômes de l'hyperthyroïdie. Saillie anormale des yeux, perte de poids, bouffée de chaleur, transpiration excessive, trouble du sommeil, esprit bouillonnant, concentration difficile, selle fréquente, nervosité, anxiété, irritabilité et saute d'humeur, rythme cardiaque accéléré et palpitations, plus de 100 battements minute, au repos. Pour éviter l'apparition de ces troubles fonctionnels de votre organisme et préserver votre santé, il est donc primordial de réguler la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Pour vous aider à rétablir le bon fonctionnement de votre glande thyroïde, vous retrouverez ci-dessous une recette naturelle efficace, à base de deux ingrédients seulement. Recette naturelle pour guérir votre glande thyroïde. Vous aurez besoin de 40 noix, 1 cagé de miel bio, un pot avec fermeture hermétique. Préparation. Pour tirer un maximum de bienfaits de cette recette, il est préférable d'utiliser des noix vertes avec leurs coquilles. Si vous n'arrivez pas à vous en procurer, vous pouvez utiliser des noix normales, après avoir enlevé leurs coques. Commencez par piquer vos noix avec un couteau ou une aiguille, puis placez-les dans votre pot et couvrez-les de miel. Fermez soigneusement votre récipient et laissez le mélange macérer pendant une semaine. Une fois ce temps de repos terminé, votre remède est prêt. Prenez 2 cuillères à soupe de miel avec 3 morceaux de noix, chaque jour, matin et soir. Ces fruits secs sont connus pour leur richesse nutritionnelle et pour leurs multiples bienfaits santé, dont la diminution du stress, la baisse des risques de diabète et la préservation de la santé cardiaque. Or, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les noix sont également très bénéfiques pour la thyroïde. En effet, leur forte teneur en sélénium, surtout quand elles sont encore vertes, aide à réguler le fonctionnement de la thyroïde et la sécrétion de ses hormones. D'ailleurs, une baisse du niveau de sélénium dans le corps engendre une déficience en iode et donc une hypothyroïdie. Cet édulcorant naturel, très apprécié pour ses multiples vertus santé et beauté, est une importante source d'énergie pour notre corps, et surtout pour le cerveau et le foie. Ces deux organes vitaux ont une grande influence sur le travail de la thyroïde.
De plus, grâce à ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et réparatrices, le miel protège la glande thyroïde de l'agression des différentes toxines qui pénètrent dans notre corps et risquent de perturber son fonctionnement. Le tout, sans oublier sa capacité à stimuler la production des acides gras oméga 6, responsables de la régulation des différents processus hormonaux de l'organisme.